Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. 34e épisode de Far Cry 4, aujourd'hui un épisode quand même bien plus chill que le dernier évidemment. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. On est de retour, on est proche d'ailleurs de chez Amita, hein. On est de retour à cet avant-poste de Sherkapur, qui est donc en plein milieu du sud de la map. Alors objectif d'aujourd'hui c'est d'aller libérer le clocher et éventuellement de faire un ou deux avant-postes. Mais aussi, je voulais en profiter, je voulais quand même me confectionner avant toute chose, avant qu'on, je veux dire, avant qu'on termine l'aventure, éventuellement un meilleur sac à butin. Et il nous faut de la peau de poisson démon. On n'a toujours pas, fait ça. Et en vrai de vrai, où c'est qu'on pourrait trouver du poisson démon? C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Alors on en a croisé beaucoup dans les eaux, mais vous avez vu, ils sont pas marqués. Ils sont pas marqués comme animaux. Donc je pense qu'on peut en trouver, peu importe où dans l'eau. Donc on va aller derrière. D'ailleurs regardez, il y a une chasse, affronter de dangereux animaux sauvages pour cette quête. Donc une quête de chasse. Éventuellement on pourrait aller voir ça. Est-ce qu'ils nous disent quels animaux c'est? C'est des loups. Rien à péter. Franchement rien à péter. On va aller voir du coup si on peut trouver du poisson démon pour pouvoir avoir un meilleur sac à butin, hein, parce que ça me fait chier à chaque fois, on a jamais de place. Bref les amis, comment ça va? Si vous allez bien n'hésitez pas à mettre un like. Et si vous allez pas bien, vous mettez un dislike, ça fera des fouloirs. Pas de problème. Oui, là, je pense qu'il y aura du poisson vilain, là. On va aller voir ça directement. Hop, oui, là, je pense que on devrait avoir ce qu'on veut. On va juste éviter de terminer dans l'eau. Ce serait pas mal. Voilà. Oui, là, je pense qu'ici, il doit y en avoir. Alors, regardez, je peux confectionner des seringues de chasse. Et du coup, ce qu'on va faire... Regardez, il y a une grotte là-bas. Non, mais c'est fou. Ah c'est des gentils. Il y a une grotte juste là frère. Oh c'est incroyable. Bon allez on va se piquer. Ouais il y en a, c'est bon. J'en vois un là. Maintenant la question c'est comment je vais faire pour l'allumer, sachant que je ne le vois pas. Là je crois que je l'ai touché là. Je lui ai fumé la gueule. J'y vais. Non il est pas mort. Il est pas mort du tout. Je me suis mis dans une galère en plus là. Je me suis mis dans une galère là un peu, non? Ok. Bon bah on va se faire mordre le cul mais c'est pas grave. De toute façon il nous one shot pas, c'est l'avantage. Attention! Ne soyez pas effrayés, on va se faire mordre. On va se faire écraser là. Salut les copains. Bon. Bah j'ai pas de chance. J'ai usé une seringue pour pas grand chose. Ce serait bien que le méchant vienne. Ah là il y en a là. Il y en a trois. Il y en a au moins trois. Comment je peux faire pour les attirer? Attendez hein, on va essayer de les attirer. Je vois pas du tout comment. Ah il y en a un qui arrive. Oh oui il arrive bien lui. Je vais me repiquer. Oh il l'a écrasé, il est mort. Il y en a un qui est mort. Attends. Viens toi. Viens voir toi. Ok. Alors attends. Ok. On va vite revenir à la surface. Oh c'est long. Oh c'est si long. Il y en a un autre au fond de l'eau. Et là aussi. What? Il va où là le rouya? Il m'en faut encore deux hein. Il m'en faut encore deux. J'ai l'impression que je me fais arnaquer là. Il est bugué? Oh putain. Attends bouge pas. J'espère que ça te dérange pas ce que je fais. Je l'ai récupéré? Ouais je crois que j'ai récupéré. On va éviter de mourir. Voilà. Je crois que je l'ai récupéré. Je vérifie juste confection. 3 c'est bon. Ok. Excusez-moi pour ce petit début d'épisode. Hop allez on va encore sacrifier une seringue. On va se faire le dernier. En plus il est là. C'est parfait. C'est le bateau pour l'écraser, c'est stylé. Putain, viens, monte à la surface frérot.
Viens sur moi. Viens sur moi. Il veut pas venir. Ah, en fait, ils se mangent entre eux. D'accord. Ils se mangent entre eux, quoi. Alors, je récupère une faible tant qu'on y est. Le convoi, on s'en fout. Je l'ai eu. Allez, go. On y va, on le récupère et on se barre. Putain, c'est pas facile, les poissons démons. Hein. C'est pas facile. C'est bon, j'ai récupéré. Très bien. Ok. Des fois, il y a une animation, des fois, il y en a pas. C'est un peu aléatoire. C'est pas facile. Parce qu'en même temps c'est pas non plus compliqué. Mais en même temps c'est pas simple non plus quoi. Allez, on se le confectionne. Sac à butin, au moins on aura quand même bien plus de place. Bon là c'est des missions Fashion Week du Kirat. Bon eh, frère, pour le moment on s'en fout complet. Un petit tour au niveau des compétences. Bah écoutez, directement ah non, ça on peut faire à l'infini. Ça c'est quoi? Ah, c'est pour faire durer les effets de seringue. Eh ben profitons-en. Profitons-en. Durée prolongée. Tu parles de quoi là? Bon, hey, on va claquer. De toute façon, vous avez vu, tous nos points de compétence ils servent plus à rien. Hein, globalement. Donc, c'est pour vous dire à quel point on est proche de la fin du jeu. Bon, comme convenu, on va faire le clocher. Le clocher qui est là. Est-ce que j'ai une tête à marcher pour rien? Non, donc on fait un TP rapide. Et on y va. Direction le clocher, les amis, qui était à 1 km. Putain, mec, 1 km quand même. Attends, on va prendre la route, hein. On va prendre la route parce que là, mon pote. Ou alors. Ou alors. On a carrément un deltaplane. Allons-y en deltaplane. Let's go. Ouais. Bah alors. Bande de nullos, vous êtes en voiture, moi j'ai un deltaplane. Bande de rageux. Je me fais poursuivre par une voiture alors que je suis en deltaplane, c'est hilarant. Bon, je vais quand même réussir à mourir, mais ils vont m'écraser sans pitié. Hop. Allez, venez voir. Bah voilà. Ils sont tous morts. Allez, salut. Bon, on aura bien rigolé. Mais il y a vraiment des... Bon, là, c'est des gentils. Mais il y a vraiment des ennemis de partout. C'est impressionnant ici comment c'est pas du tout safe. Pour le coup, c'est vraiment... Oh, on va y aller. Je dis pas ça parce que j'ai entendu un animal bizarre et que je préfère me réfugier en bas. Hein. Mais bon, si déjà... Voilà, un petit trésor. Ça aurait été con de passer à côté. Voilà. Ah, je suis dans une cage. Je suis dans une cage. Comment je fais pour rentrer là? Ah, tout ça pour ça. C'est chouette ça. Bon, c'est à dire qu'il y a une entrée ailleurs, vous avez compris. Et pour être très honnête, je m'en fous un peu. Allez, 700 mètres à pied. Bah en fait l'entrée elle est là. Je sais pas pourquoi l'entrée elle est là, non? Oh, exagère pas, frère. Eh, tout de suite, on dirait qu'on vole à je sais pas combien de... Je sais pas du tout où est l'entrée. Hein. Ok, c'est des gentils. Bon, je sais pas où est l'entrée, je m'en fous. Oh là. Oh là là. Ah bah, elle est là, l'entrée. Oh non, c'est pas cool, ça. D'accord. Ça va, je rigole, putain. Bouffe, connard. Hop. Non, pardon, mais à un moment donné, va falloir me parler sur un autre ton, monsieur le léopard. Hop là. Léopard des neiges, en plus. Incroyable. Y'avait pas un truc à confectionner avec le léopard des neiges? Attendez, j'ai de la mémoire courte. Confection, léopard des neiges. Non, je pense qu'on avait déjà fait. Ok, bon. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit incroyable? Bah, c'est un cachot, hein. Simplement, hein, on est plus ni moins qu'une prison, hein. Hop, on récupère tigre en plastique. Incroyable. Incroyable. Allez, allons donc à cette tour radio. Je suis très dissipé. Ah, il y a un convoi qui arrive. Alors tu prends le RPG, tu te mets en plein milieu et tu fais salut. Voilà. Et là, normalement, tu gagnes beaucoup d'XP. Et même peut-être beaucoup de karma parce que j'ai, avec les points de compétences qu'on a eu, on s'est fait plaisir.
Ok, on est en nouvelle zone maintenant. Oh non, il se fait attaquer lui aussi. Oh là là, les pauvres. Les pauvres bêtes. Bon. Est-ce que vous croyez qu'une balle de snipe dans le mastodonte, ça marche ou pas? Ah, ça l'a quand même bien affaibli. Bon, allez hop. Voilà. 3 pour le prix d'un. Ah, mais il y a encore des méchants apparemment. Il y en a partout hein, des gens, hein. C'est ouf hein. Ils sont partout. Et où? Ah, il est là. Encore un masto. Non mais c'est dingue. C'est absolument dingue. Viens voir toi. Tu sais où tu vas au moins là ou... T'as pas l'air de savoir où tu vas là. Hein. Ah, c'est gênant. Oh, regardez! Regardez là où elle fait sa vie! Est-ce que vous croyez qu'elle va réussir à passer à côté? C'est ce que tout le monde se pose comme question et... Elle passe à côté? Incroyable. Oh, ça aurait été incroyable qu'elle tue le mastodonte. Ça aurait été dingue. Je vais garder mon RPG parce que je pense que je risque d'en avoir besoin. On va plutôt privilégier soit de l'ignorer ou soit de l'assassiner par derrière. Et moi je pense que nous sommes là pour nous amuser. Par conséquent, hop. Ah, il veut pas regarder derrière. Il s'en bat les couilles. Allez. Ah, mais il y a de nouveau des. Il y a encore des méchants. Non, mais les gars. Allez, salut. Je suis un lâche. Ça m'a saoulé. Il respawn dans l'infini, frère. C'est incroyable. Allez! Je suis dissipé. Je suis dissipé. Moi, ça me fait de la peine de voir ces yaks se faire absolument défoncer par des jaguars. C'est pas cool. Oh putain, ça faisait longtemps ça. Oh, ça faisait longtemps ça. Ah, ça m'avait pas manqué. Donc là, on prend le pistolet et on court. Oh putain. Ah ouais. Ah ouais, ils ont pas le time. Ah ouais. Ah ouais. Oh, c'est gentil. Oh, il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour moi. C'est adorable. C'est adorable. Bon, c'est hostile absolument partout. Hein. Allez, taras toi. Non, mais c'est pas vrai quoi. C'est pénible. Hein. Je suis. Franchement, hein. Franchement, ça m'énerve. Premier degré. C'est fou. J'adore ce jeu. Comme je déteste. Voilà, vous le savez. C'est impressionnant, mais. Mais c'est comme ça. Bon, ça va messieurs? Ah ouh. What does the fox say? Ding ding ding. Oh c'est gênant, ça me rappelle justement l'époque où j'ai joué sur PS3 à Far Cry 4. Et justement c'était l'époque de What does the fox say? Musique absolument incroyable. Et voilà. Waouh, comment il a chassé. Oh, il y a des singes. Et attendez, j'avais pas besoin de singes pour quelque chose. Portefeuille. Oh. Oh putain. Oh le screamer. Oh. Allez dégage. Dégage ta race toi. Oh la vache. Bon, j'avoue, c'est le karma parce que c'est pas cool de tuer des singes. Je vous l'ai déjà dit que ça me dérangeait de les tuer. Mais ça permet de. Bah, de confectionner des choses, quoi. Attendez, il m'en faut encore un dernier. Il m'en faut encore un dernier. Oh non, la flemme. Va te faire. Là, peut-être. Là, il y a un cadavre. Oh, magnifique. Voilà, bon maintenant je peux confectionner un portefeuille. Portefeuille achromate, je vois vert, bleu, violet, ice. Je suis dans la zone. Rageux, me suis pas la trace. Allez hop. Oh non, reviens. Voilà. On fait des petites missions karma. Vous voyez, on peut juste pas être tranquille. Attends, il me faut des munitions quand même. On peut juste pas être tranquille. C'est impressionnant.
C'est impressionnant, j'ai pas de mun. Ok, très bien. C'est impressionnant comme on peut pas être tranquille. Et regardez, il y a encore un convoi qui arrive là. Non, c'est une vanne. Hein. C'est vraiment une vanne. Voilà. J'adore. J'adore ce jeu. Ici, on est vraiment pas tranquille ici. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Oh non, mais c'est. Non, mais frère, c'est trop. Non, mais tu peux rien faire. Allez, salut mon Denulus. Bon, allez, le tour radio est là. Je pourrais même tenter de faire comme dans le dernier épisode, c'est-à-dire n'y aller que par en haut. Je pense que c'est pas impossible à faire, donc on va le faire. D'accord, bah écoutez, c'est bien de la merde. Allez. Ok. Parfait. Parfait. Bon, je dois aller où là? Je crois que j'étais pas censé être là. Ah, là, non. Ah, j'étais pas censé atterrir là à mon avis. Ah, j'ai le seum. J'ai le seum, est-ce que peut-être là? Ensuite là. Très bien. Hop, ça dégage. Vous vous rendez compte juste que c'est emblématique ce qui se passe? Parce que là c'est le dernier clocher là. Oh, j'avais pas réalisé, mais là c'est le dernier clocher. Après il y en a plus, hein. On en fait plus après. C'est ouf, hein. C'est absolument ouf. Par là. Par là. Ah, il y a encore un hélicoptère, je crois, non? Non. Là. Hop. Voilà. Ça fait penser au coronavirus. Allez, c'est parti. Merci, bonsoir. 17ème sur 17ème clocher. Incroyable, évidemment. Maximum de likes avant de faire les avant-postes. Braconnier médicinal. Grotte d'Ima Coca. I'm in love with the coca. Distillerie du baril de poudre. Incroyable. Font de la poudre de quoi? Telle est la question. Qu'est-ce qui leur arrive en bol? Bon bah on risque pas de gagner face à Pagan hein, quand je vois nos alliés comment ils sont doués. Bon mais bah, voilà. Très bien. On bat les couilles. Ok. Qu'est-ce qui lui arrive lui? Comment il pourrait faire pour me voir de là? C'est juste pas possible. Mais non, mais c'est juste pas possible qu'il me voit. À quel moment il regarde en haut? Il est dans sa voiture, regarde, il regarde je sais pas quoi. Hein? Ah ouais, il va se faire attaquer. Bref, excusez-moi, regardons un petit peu. Assez rouge hein, autour de chez Pagan. Bah en fait c'est normal que je me fasse autant attaquer. Je viens de réaliser que on est dans la zone de Pagan quand même. Oh putain. Oh là c'est rouge hein. Eh. Tout ça c'est vert messieurs dames. Mais alors là mon pote c'est un autre niveau hein. Je suggérerais de commencer par le fond. Revenir ici. Et pour terminer là-haut le plus tard hein, bien sûr. Ça on va pas faire avant d'être allé voir Amita pardon. Mais je proposerais de faire par le fond et de repousser en fait les ennemis de manière logique. Donc on va faire cet avant-poste. Caserne de Lumst. Pareil avec trois avant-postes. C'est absolument dingue. Et ça se passe en bas. En bas là. En bas là. Allez let's go. Salut bande de nullos. Et en vrai de vrai je pense quand même que dans le prochain épisode on va aller voir Amita. Parce que sinon on va stagner comme des débiles à faire juste des missions secondaires. Juste pour dire qu'on les fait et je trouve ça dommage. Tu vois dans le dernier épisode on a fait Yogi et Rigi donc c'est parfait, c'est les quêtes principales quand même. Même si c'est un peu secondaire mais tu m'as compris. Là ce qu'on fait c'est vraiment très très secondaire. Même si c'est l'âme de Far Cry mais... Donc ouais, prochain épisode peu importe on ira voir Amita.
Peu importe si on fait des avant-postes ou non, mais on ira quand même voir Amita et on va voir ce qu'elle va nous dire. Parce que ce serait dommage de vouloir faire juste pour faire, tu vois. Ok, on est arrivé, c'est plutôt pas mal. En plus, on a déjà la hauteur. Très très bien ça, très très bien. Je peux reconfectionner des seringues, c'est très très bien aussi. Je peux confectionner ça aussi. Voilà. Sachant que je m'en sers absolument pas des autres seringues, mais c'est pas grave, au moins c'est fait. Ça pourra toujours servir en cas de problème. Parce que si on regarde, ça sert à quoi? Seringue d'overdose, hein, doublé. Ouais, mais vous subissez le double de dégâts. Donc ça vaut vraiment pas le coup. Par contre, il y a des animaux un peu pénibles. Mais attends, mais c'est une forteresse ça. C'est une forteresse. Bon, il y a une alarme là. Une alarme là. Je vois que deux alarmes moi. Ah, il y en a peut-être une derrière, ouais. Bon, en tout cas, j'ai deux alarmes en vue. J'ai deux alarmes en vue. Alors, on va un petit peu descendre. Ok. Allez. Chaque fois, on fait ça quand il fait nuit, c'est génial. Ah, il y en a un là. Donc, ça fait deux mastos. Bon, elle, je peux la détruire sans problème. Sans que personne s'énerve, je pense. Elle, je peux la détruire, mais d'abord, il faut que je détruise le mec. Parce que le mec va alerter tout le monde sinon. Et l'autre alarme. Ah, l'autre alarme elle doit être derrière. Regardez, on voit le vert. On voit le vert là-bas. Oh non. Eh. C'est vraiment pas le bon moment ça. Oh. Ça c'est vraiment pas le bon moment. Bah heureusement que j'ai pas. Que je me suis pas précipité parce que. Parce que maintenant ils sont deux là-haut. Oh putain, il y en a un là aussi. Oh, je me chie dessus, c'est bon. Ah non, il y a une deuxième alarme là en bas. Elle est en bas là. Oh là là, putain de loup de merde. Yes. Attendez. Ouais, elle est cachée derrière, mais... Bref, t'as compris. Bref, t'as compris. Bon, on va faire l'alarme au loin là-bas d'abord. Comme ça, ça va les attirer là-bas au pire. Voilà. Ah, bon, lui, il a vu. C'est pas grave, vous énervez pas. Voilà, descends toi. Là il va descendre. Voilà. Y'a plus qu'à trouver la dernière. Y'a plus qu'à trouver la dernière, même si. Oh putain, j'ai failli me faire cramer. J'ai failli me faire cramer. Je peux pas prendre la hauteur comme je voudrais ici. Ah, j'ai pas le choix, je vais devoir rentrer, je pense. Alors attendez. Avant de faire n'importe quoi, là il y a le sniper. Voilà. Oh non. Ok, c'est bon. À louper une balle, c'est horrible. Bon, je vais me faire une picouse pour voir qui j'ai loupé. Deux personnes, je pense. J'ai loupé deux personnes grand max. Bon, tant qu'ils voient pas les cadavres, ils appellent pas les renforts, hein, je le rappelle. Arrêtez de chercher, mais restez prudents. Où est la dernière alarme? Alors là, je suis dans la merde. Ok, là, j'ai eu chaud au kiki. Désolé si je parle pas trop. Voilà. Les alarmes c'est bon. Les alarmes c'est bon. On se la fait à la furtive, c'est sympa. Ah, j'aime bien faire ça à la furtive. Bon, je pense que vous le savez mais. Attends. Ça j'enlève. Oh merde. Ferme-la. Bon bah ma foi.
Oh, je parle plus, je suis en mode tryhard. Voilà. Bon, au moins je suis tranquille là. Tu peux pas, y'a plus d'alarme. Oh, genre. Oh merde. Ok. Et le dernier par dessus. Ah, attends, je vais sauter par dessus. Salut. Oh le seum. Quoi? Bon pourquoi pas. Bon pourquoi pas. C'est aussi une façon de voir les choses. C'est pas exactement comme ça que j'avais imaginé, mais c'est très bien. Bon voilà, ça c'est fait à l'avant-poste. La caserne de mes couilles. Ça c'est fait. Bon. Bah écoutez, j'ai l'alarme à l'œil parce que je me dis qu'on arrive quand même vers la fin du jeu. On s'en rend pas compte forcément, mais ah c'est ça en fait hein. La zone rouge en fait c'est les avant-postes hein. Écoutez, on va enchaîner celle-là et on va s'en arrêter là pour cet épisode. Et dans le prochain, on va aller voir Amita. D'accord? On fait ça comme ça. On fait ça comme ça, les amis. Faisons durer le plaisir quand même encore pour cet épisode-ci. On va aller voir le prochain avant-poste. Ah, peut-être faire le plein de munitions. Ouais, je vais faire le plein de munitions et on se retrouve dès qu'on se rapproche de l'autre avant-poste. A tout de suite. Allez, de retour, j'ai pris la voiture et je me retrouve à une centaine de mètres de l'avant-poste. Je vous ai épargné bah, du coup le trajet en voiture qui était de à peu près 500-600 mètres. Pour autant, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc je voulais quand même vous en parler, l'animateur radio, donc Rabbi Gale, non Rabbi je sais plus quoi, bon, qu'on avait déjà rencontré. Absolument excellent parce que en fait il parle de l'actu, donc de Yara, en fonction de nos actions, en fonction de ce qu'on a fait pour Amita ou pour Sabal. J'ai entendu quelqu'un là. Et je trouve ça absolument excellent. C'est super bien fait et limite c'est tellement réaliste, c'est comme un vrai animateur radio quoi. Et limite ce serait ça si on était dans une... Bref, en gros c'est plausible tout ce qu'il a dit, on se croit, c'était réaliste, ça me paraissait réel quoi. J'avais l'impression d'écouter une vraie radio dans une vraie situation actuelle quoi. Bref, je fais gaffe à ce que je dis. Bon, je fais gaffe à ce que je dis parce que comme dit ce sont des choses qui existent malheureusement dans la vraie vie, dans d'autres pays. Et donc du coup c'est pour ça que je me permets de pas vouloir dire de conneries. Parce que bah, quand je dis plausible, plausible, bah, c'est des choses que des gens vivent pour de vrai. Donc en vrai, ça fait beaucoup de vrai. Voilà. Comment... Moi j'aimerais juste prendre de la hauteur sans qu'on me voie éventuellement. Ce serait chouette. Trois alarmes donc. Avec une alarme là en vue. Une deuxième là mais que je ne vois pas. Très bien. Bon c'est bien, le sniper il est aveugle. Et ça c'est chouette. Bon, on a une tyrolienne ici, ça veut dire qu'on peut faire des dingueries. Ça veut dire qu'on peut faire des dingueries. Enfin c'est pas une tyrolienne mais c'est un peu comme. Bon. Bon bon bon. Ok, faut aller de l'autre côté. En général c'est toujours bien fait, il y a toujours un spot où t'as la vue de l'ensemble quoi. Enfin c'est bien fait. C'est bien fait pour le gameplay, c'est pas bien fait pour eux mais... Voilà, et là normalement ça me permet de voir. Cette alarme aussi. Celle-là. Et celle derrière la fumée. J'ai absolument... Oh, j'ai le spot avec toutes les alarmes en vue. Je peux faire un 3 pierres de coup. Ok. Unos. Dos. Tres. Terminé. Terminé, pesé, emballé. Bonsoir. Abonnez-vous à ma chaîne. Oh mon dieu, incroyable. J'aime ce qui se passe. J'aime ce qui se passe. Aucune balle n'est passée à côté pour le moment. Ah, je l'avais pas vu lui. Ah, c'est gênant. Voilà. Alors attends, le RPG plutôt, ouais. Ça commence ici. Et ça finit là. Allez salut. Hop. Voilà. On s'en sort un peu mieux que le précédent avant-poste hein, c'est évident. Attendez, on va essayer de faire un truc rigolo. On va essayer de faire un truc rigolo. Hop.
Allez, salut! N'oubliez pas le like, maximum de pouces bleus, le commentaire qui fait plaisir et l'abonnement. Prochain épisode demain 16h. Nous irons voir Amita. Amita, quand elle danse, elle se donne jusqu'au bout. Ça va être incroyable. Plein de bisous les amis, je vous kiffe. Ciao tout le monde.